FM Yasses, il faut reconnaître l'engouement et l'énergie positive qu'il y a depuis lors. Déjà pour la culture, je crois que depuis Arnaud Mambo, la culture est déjà initiée, ancrée dans le FEMU A16. Dans le FEMU A, pas simplement le FEMU A16 depuis sa création. Parce qu'à chaque événement, à chaque festivité du FEMU A, il y a la culture qui est introduite du côté d'Arnaud Mambo à travers les danses traditionnelles. Et ça fait plaisir, encore de voir tout ça. J'ai beaucoup de plaisir et je suis une Canadienne qui découvre en ce moment la Côte d'Ivoire et c'est merveilleux. Belle ambiance ici, des beaux artistes, des artistes talentueux. J'adore ça. Je dis merci aux organisateurs. FEMU A qui est un gros festival, un festival professionnel, de penser à la jeunesse, de penser à soigner nos enfants à travers la musique, à travers la sensibilisation. Le thème épouse même l'actualité même du pays parce que tous ces boissons frelatées qui rentrent au pays, il faut frapper fort pour les éradiquer totalement hors du pays, pour que nous ayons une jeunesse qui se porte bien. Parce qu'une jeunesse malade, c'est une jeunesse sans avenir. Il est important pour nous en tant qu'acteurs culturels, ce festival qui met en exergue tout ce qui est musique urbaine pour cette édition. Il s'agit du thème qui est très évocateur, qui parle de la santé mentale aujourd'hui dans nos écoles comme dans nos quartiers. Ce sujet est d'actualité, même sur les plateaux télé, on en parle toujours. Aujourd'hui, nous sommes obligés de sensibiliser tous nos petits frères, nos grands frères et même aller jusqu'à dans les foyers, dans les ménages pour parler de la santé mentale.